faire un cap ou pas cap avec elles. Alors on va découvrir avec vous les 5 cap ou pas cap qu'elles nous ont donné. Alors attention, je ne sais pas si on va tout faire, si ça va être moi, les enfants. Alors bien sûr, on est accompagné de Maïlis, qui est une copine de camping, parce qu'on est toujours en Espagne. Et par contre, elle ne fera pas les cap ou pas cap, elle veut juste participer à la vidéo, donc des pouces bleus pour Maïlis. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir les cap ou pas cap? Oui. Oui. Ouais. Ouais, bah on va découvrir ça tout de suite. Et aussi, coucou à Océane et à Corentin. Et à toute la famille Kids Studio Test. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, c'est Erin. Et Auriel, de la chaîne. Bah, de la chaîne Erin et Gabriel, tout bêtement, c'est super original. Erin et Gabriel, de la chaîne Erin et Gabriel. Donc aujourd'hui, on fait un cap ou pas cap avec Kids Studio Test. On est vraiment super contentes parce ouais, que... Ouais, on les aime trop. On les adore, ils sont vraiment géniaux. On adore leurs vidéos et on adore leur famille, tout simplement. Voilà. Alors vu qu'on est un petit peu folle, enfin un peu beaucoup, un peu beaucoup même, on leur a préparé des défis de fou. Oui, donc tenez-vous prêts les enfants. C'est parti. Pour le premier cap ou pas cap, les enfants, vous allez devoir vous mettre un slip de bain sur la tête et vos tartinettes crème solaire et vous promener comme ça sur la plage. Alors cap ou pas cap? Alors pour ce premier cap ou pas cap, donc qui est de se tartiner le visage de crème solaire et de se mettre des slips de bain. Maintenant on n'a pas des slips de bain, on a pris des slips tout court. Sur la tête. C'est parti les amis, pouce bleu hein. On est les rois de la plage, on est les rois de la plage, on est les rois de la plage. Ouh. On est les rois de la plage. Oh. Coucou les amis. Elle est là Océane. Alors oui, on est les rois de la plage, les pouces bleus vers nous, on l'a fait. On l'a fait? Ouais. Ouais. Est-ce que c'est validé les amis? Dites-moi dans les commentaires. Donc pour le deuxième cap ou pas cap, vous allez pouvoir aller vous laver, vous allez aller vous mettre habillé dans la mer, vous allez vous mettre plein d'eau partout et après vous allez devoir vous rouler dans le sable. Donc cap ou pas cap? Alors est-ce que vous êtes cap ou pas cap? Oui. Ouais, pour le deuxième, vous êtes cap ou pas cap d'aller dans l'eau et de vous rouler dans le sable? Non, 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 juste comme ça. Ouais, d'accord. Non. Moi oui, par contre, Corentin ne va pas s'habiller parce qu'il fait super chaud. Moi je suis déjà habillée, alors on va faire ça avec Corentin parce que Océane n'est pas capable. Allez, on y va Corentin? Allez, moi ouais. Je vais. Allez. Tu vas ou pas? Tu comptes faire?
Donc encouragez-la parce que c'est pas facile. Comme tu veux. Maman Élise. Je pense qu'on a réussi ce défi. Oui. On va passer au prochain cap ou pas cap. Donc si vous avez réussi le deuxième cap ou pas cap, vous pourrez passer au troisième. Donc il va falloir garder tout le sable sur vous et danser devant les gens en disant on est les rois de la plage, on est les rois de la plage, on est les rois de la plage. Si vous n'avez pas réussi le deuxième cap ou pas cap, vous faites pareil mais sans sable. Alors cap ou pas cap? Alors est-ce que vous êtes cap ou pas cap pour ce prochain cap ou pas cap? Ouais. On y va? Allez, on y va. Allez. C'est parti les amis. On y va. Alors Corentin, Ozan, ils sont où? Là. Allez, on y va. Alors. On est les rois de la plage, on est les rois de la plage, on est les rois de la plage. On est les rois de la plage, on est les rois de la plage. On est les rois de la plage. On est les rois de la plage. Je pense que c'est bon, on a fini, non? Allez. Non? On n'a pas fini. Ah, pas fini, allez, c'est reparti. On est les rois de la plage. 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 On est rois de la plage. Oh, Zéane, coucou! Allez, Loulou, je crois qu'on a terminé. Je crois qu'on a réussi encore ce cap ou pas cap, non? Quentin est parti là-bas, regardez. Il est là-bas. Il est parti là-bas. Alors, je crois qu'on a réussi ce cap ou pas cap, il nous en reste encore, donc on va découvrir ce que c'est avec vous et dites nous si nous avons réussi. Pour le moment on va découvrir le prochain. Alors préparez-vous pour le quatrième cap ou pas cap les enfants, car vous allez devoir mettre votre serviette de table votre serviette de plage sur le sable. Donc voilà, vous allez devoir la mettre sur le sable, c'est nul ce que je dis. Alors pour le quatrième cap ou pas cap, préparez-vous les enfants, car vous allez devoir étalez votre serviette de tâche. Alors pour le quatrième cap ou pas cap, les enfants, préparez-vous, car vous allez devoir mettre votre serviette de sable. J'arrive pas à dire sable. Ah mais non, c'est pas sable. Je veux dire plage. Alors, on recommence. Donc pour le quatrième cap ou pas cap, vous allez devoir mettre votre serviette de sable. Serviette de table, serviette de sable. Non, c'est serviette de plage. Serviette de chable. J'y arrive pas. Bon alors, je crois que vous avez compris. Hein. Alors les enfants, préparez-vous pour le quatrième cap ou pas cap. Vous allez devoir mettre votre serviette de plage sur le sable. Jusque là, c'est à peu près normal. Sauf que vous allez devoir vous allonger dessus avec un gros manteau d'hiver, des gants, un bonnet, tout ce que vous voulez. Vous faites comme si vous étiez en hiver, sauf que vous êtes en été sur la plage, quoi. Mais vous mettez tous les trucs comme si vous étiez en hiver. Alors cap ou pas cap? Alors les amis, pour ce quatrième cap ou pas cap, je vais le faire toute seule parce que ça peut être dangereux, il fait très très chaud. Comme vous voyez, il faut que je mette des vêtements d'hiver. Alors j'avais pas ça, donc j'ai des chaussettes. Alors c'est des chaussettes de ski parce qu'on avait fait du ski la dernière fois et j'ai oublié de les enlever de la valise. Une veste et puis un duvet super chaud, donc je vais faire ça sur la plage. Surtout ne faites pas ça à la plage, ça peut être dangereux les amis. Alors on y va, c'est parti, une chaussette. Alors, ça va pas être très pratique à mettre. Comme si on avait froid quand même, hein. On laisse pas arriver froid peut-être. Ah voilà, et une. Non, ça fait chaud. Ah ben ça va être très chaud, ouais. Ouais ouais, et je commence déjà à avoir chaud au pied. Alors c'est parti, et deux.
Et de deux. Merci Erin et Gabriel, hein. Franchement merci. De deux. Je vais mettre la veste. Alors, on y va. Le sac de couchage. Qui est hyper chaud. Qui est hyper, 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 hyper chaud. Alors là, tu meurs de chaud. Allez, je meurs de chaud déjà. Allez. Elle meurt de chaud. Allez, les amis, hein. Ça peut être dangereux quand même. On y va. J'arrive même pas à faire mes fermetures tellement j'ai chaud. C'est chaud là. Ah oui, j'ai chaud là. Ah oui, moi. Allez. Hop, hop, hop. Allez les amis. Pouce bleu, hein. Pouce bleu. On est complètement fou. Voilà. C'est bon. Voilà. Allez les amis. Super. Cool. Je suis trop bien. Je suis trop bien. Je suis trop bien les amis. Voilà, je pense que le cap ou pas cap, bah, est validé. Je crois que le dernier cap ou pas cap, vous devez aller chercher le plus gros crabe qu'il y a et le mettre sur votre tête. Alors, cap ou pas cap? Alors les loulous, pour ce dernier cap ou pas cap, ben, on n'est pas cap. On n'est pas cap de se mettre un crabe sur la tête déjà. On ne sait pas où est-ce qu'on va en pêcher. Bah d'ailleurs, on se met juste sur la tête alors. Et puis après, ben, après moi j'ai très peur, Corentin aussi. Donc désolé, on relèvera pas ce cap ou pas cap, désolé. Mais je pense que on a, ben, tu crois qu'on a réussi? Ouais, ouais, moi je pense que oui, dites-nous dans les commentaires les loulous si on a réussi ce cap ou pas cap. Et j'espère que Erin et Gabriel réaliseront aussi les leurs. Bravo les foufous pour ce cap ou pas cap, c'était vraiment super. Alors vous aussi, vous nous avez donné des cap ou pas cap de folie. Et on est vraiment trop contentes, hein, merci beaucoup. Oui, merci, merci, merci. Alors les loulous, c'est déjà la fin de ce cap ou pas cap. Alors allez voir la chaîne d'Erin et Gabriel, elle aussi. On lui a réservé quelques cap ou pas cap, donc allez voir, ça va être en description, en bas, ici, dans la barre d'infos, et aussi à la fin de la vidéo, vous pouvez aller voir leur chaîne, elles sont super sympas. Alors, les amis, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à nous dire dans les commentaires quel a été votre cap ou pas cap préféré, si vous l'avez déjà fait même à la piscine, et puis ben, s'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils ont aimé? Mettre un petit pouce vers le haut. Et puis bah, si c'est pas déjà fait aussi, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on fait des gros bisous et on vous dit ciao, ciao. Bisous, bisous. Josiane est en train de jouer au sable à côté, donc elle vous dit ciao, ciao aussi. Bisous les amis. Et nous, on finit nos vacances. Et puis j'espère que vous aussi, vous passez de super vacances. Ciao, à la prochaine vidéo. Ciao. On fait plein de gros bisous à tous ceux qui regardent cette vidéo. Au revoir tout le monde. Au revoir.